feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. İzin verirseniz, if you let me, I can explain. I want to explain the interpretation. J'aimerais vous expliquer. Les instructions pour utiliser l'interprétation du Zoom en turc, parce que l'image n'a pas la version turque. Aşağıda yer alan tercüme kısmı var. Hemen sessiz al ve videoyu durdur kısmında. Oradaki dünya görüntüsüne basarsanız eğer orada Korece seçeneği yer alacak. Korece seçeneğini tıklarsanız Türkçe tercümeyi buradan dinleyebilirsiniz. Eğer bir sorun olursa her zaman bana yazabilirsiniz chat kısmından. Görüşmek üzere. Shall we start now? On commence. We had to wait. We apologize. On a dû attendre. On demande vos excuses de vous avoir fait attendre, mais il y a plus de 150 personnes inscrites, mais on n'est que 45 ici aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on voulait attendre. Parce qu'on avait beaucoup de personnes inscrites, mais. Pero bueno, nada, no es un problema, porque vamos a grabar. On va filmer cette session, on va l'enregistrer dans chaque langue. Donc, on va mettre les vidéos sur nos réseaux sociaux. Donc, celles qui n'ont pas pu être là aujourd'hui peuvent suivre le débat.
So dear sisters, welcome to... Alors, bonjour et bienvenue les sœurs à notre webinaire sur la crise du logement. Ça fait partie de, d'une série de webinaires qu'on est en train de préparer pour notre réunion internationale en octobre. C'est un processus collectif, c'est un débat sur la crise, sur plusieurs crises différentes et sur des alternatives féministes. C'est un processus collectif et ce webinaire est le premier sur la crise du logement. On voulait aborder quelques crises spécialement urgentes et qui exigent une attention spécifique de la part des féministes. On a la crise de l'énergie, de l'alimentation, des soins et du logement. Ce sont les problèmes qu'on va évaluer et qu'on essaie de comprendre. Et on veut aussi chercher des alternatives féministes. La crise mondiale est en train d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'occasions, et aussi des défis, des grands défis. Il faut qu'on approfondisse dans notre compréhension comme mouvement. Comme on le sait très bien, il y a un idéogramme chinois qui représente l'homocrise et ça associe deux caractères contradictoires, danger et opportunité. Donc, c'est pour ça qu'on voulait regarder les deux côtés de la crise. On veut regarder les souffrances, les dangers, mais aussi les opportunités et les alternatives d'une perspective féministe. Au fil des années, comme mouvement féministe international, on a cherché des alternatives théoriques et aussi pratiques. On veut chercher des alternatives à ce système raciste et capitaliste et patriarcal. Aujourd'hui, on voit un débellissement de l'ordre mondial. Et ça donne des opportunités d'essayer d'exécuter un nouvel agenda. Mais on veut aussi réfléchir sur l'impact immédiat sur les personnes, les pauvres et les femmes. On doit essayer de résoudre ça de la perspective du mouvement. Donc aujourd'hui, on voulait ouvrir un débat collectif pendant qu'on prépare notre réunion internationale en octobre. Donc, je vous remercie beaucoup encore une fois d'être ici pour ce processus collectif. Jana Nakal est membre du secrétariat international de la Marche mondiale des femmes. Elle va modérer cette session. Jana, c'est à vous. Merci beaucoup, Yeldiz. Merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci de toute la participation dans cette première réunion aujourd'hui. Je voudrais dire pourquoi on commence avec la crise du logement. La crise économique est en train de se répandre. Et la crise du logement a l'air d'être l'une des plus négatives. Et ça peut être la crise la plus extrême dans l'histoire du monde, partout dans le monde. Et on verra encore beaucoup plus d'exemples de serres pendant cette réunion. Il y a l'accaparement des terres,
une accumulation du capital, et tout ça, ça met en place des outils qui dépossèdent des communautés. Et on va parler de ça aujourd'hui. Nos villages sont en train de se détériorer, pas seulement à cause du changement climatique, mais aussi à cause des politiques de logement qui refusent d'admettre que le logement est un droit humain essentiel. Dans ce webinaire, des mouvements de l'Afrique du Sud, les États-Unis, la Turquie et l'Espagne vont parler des conséquences locales de cette crise de logement. Elles vont aussi parler des dynamiques locales et des stratégies communautaires. Et je voudrais présenter Crystal West. Crystal West du Development Action Group. Après, des États-Unis, on aura Aleta Alston Touré. De la Turquie, on aura Bahra Bayan. Et de l'Espagne, on aura l'activiste et membre de la Marche mondiale, Isadora Prieto. Merci à tout le monde. On va commencer avec Crystal West. Good afternoon, everyone. I think bonjour tout le monde. Je crois que pour quelques-unes d'entre vous, c'est le matin. Mais je voudrais vous remercier beaucoup de me donner l'occasion de partager nos expériences avec vous aujourd'hui. Je vais partager quelques diapositives et j'essaierai d'identifier quelques-uns des défis auxquels on est confronté en Afrique du Sud. Donc, ma présentation, on n'a que 15 minutes. Donc, je vais essayer de le réduire. Je vais commencer par parler un peu du contexte de la crise du logement et quelques-uns des défis dans les villes sud-africaines et l'impact sur les femmes en particulier. Après, je vais parler un peu des outils, des tactiques et des stratégies qui sont utilisées par notre groupe afin de répondre aux problèmes de l'insécurité d'occupation et l'injustice spatiale. Vous pouvez regarder notre site web. Donc, comme organisation, la Development Action Group veut faciliter la création de villes inclusives et équitables à travers d'une citoyenneté active. On veut voir des villes qui souviennent aux besoins de tous les citoyens d'une façon juste, et on croit fortement que tous les changements doivent être informés par ceux qui sont le pire affectés. Donc, afin d'atteindre cet objectif, il faut comprendre le contexte dans lequel on travaille. En Afrique du Sud et surtout au Cap, on a un grand problème d'insuffisance de logement et un logement accessible. Il y a aussi beaucoup d'insécurité d'occupation. Ça, c'est une héritance de l'apartheid et un progrès très long sur le logement depuis 1994. Les conséquences affectent plutôt les pauvres des villes, surtout des personnes de couleur et surtout les femmes. En plus, beaucoup de zones ont des problèmes d'accès aux services essentiels et d'opportunités économiques. Comme résultat, ces communautés ont des gros problèmes à répondre à ces problèmes. Des politiques du gouvernement donnent peu d'occasions aux personnes de se faire entendre
et encore moins d'influencer les solutions à ces problèmes. Et l'environnement politique en ce moment ne cherche pas à construire des villes équitables. Il y a beaucoup de problèmes autant dans la politique et l'implémentation, l'exécution. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de demandes, mais très peu de progrès. Tout ça, c'est dans le contexte du COVID qui a fait des gros dégâts et a souligné les inégalités qui existent. Donc, juste pour voir un peu le COVID dans le contexte de l'emploi, à peu près 3 millions d'emplois ont été perdus et 1,5 million d'employés ont été licenciés. Au regard de le mécontentement entre les citoyens, il y a 5 ans, on voyait 2 manifestations par semaine, mais depuis 2018, on a vu au moins 2 manifestations par jour. On a 258 municipalités en Afrique du Sud et entre elles, une trentaine contribue à 80% de l'économie sud-africaine. Le logement, la situation du logement est très choquant. Même si on a eu à peu près 5 millions d'opportunités de logement qui ont été créées depuis 1994 par le gouvernement, on a quand même un retard de 2,2 millions de foyers qui ont été exclus et qui restent sur la liste d'attente pour un logement. Ces 2,2 millions excluent les gens qui ne se sont pas inscrits sur la liste d'attente. Donc, le numéro est beaucoup plus haut. Au Cap seulement, on a un retard de 600 000 familles, et ça, c'était en 2019. Et après le COVID, en 2020, ce numéro a augmenté beaucoup. En 1993, l'Afrique du Sud avait à peu près 300 quartiers informels. Aujourd'hui, on a plus de 2 700 quartiers informels qui contiennent autour de 2,2 millions de familles. Donc, on a une crise urbaine qu'on appelle 40 par 40 parce que la plupart des pauvres des villes vivent à 40 km des opportunités économiques, vivent dans des logements gouvernementaux de 40 mètres carrés et dépensent 40% de leur revenu mensuel sur le transport. Dans notre contexte, est un d'inégalités spéciales. Il y a une répartition inégale de la valeur des propriétés et de l'emplacement des locations accessibles. Au Cap, 76% de la population gagne moins de 22 000 rand. Quelques défis socio-économiques incluent la sécurité. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de violences contre les femmes. On dit souvent que c'est la deuxième pandémie dans notre pays. On a beaucoup de crimes. Dans les quartiers informels, on a des incendies, des inondations. Et dans ces communautés, les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. On a de très hauts taux de chômage. On a de l'immigration et la croissance naturelle dans nos villes, ce qui augmente la demande pour le logement et l'emploi. L'accès au logement est insuffisant. On peut dire la même chose de l'accès aux services essentiels. Surtout les personnes qui vivent dans des quartiers informels et dans des arrière-cours des propriétés privées. Donc, en Afrique du Sud, on a
presque un dans chaque sept habitants qui vivent dans des logements informels. Deux de chaque trois demandes de prêt pour le logement ont été rejetées en 2017. Et ce qui est très relevant à ce que je suis en train de dire cet après-midi, c'est qu'on a eu des hausses dans l'accaparement des terres et des occupations de bâtiments qui ne sont pas utilisés ou qui sont peu utilisés. Depuis le COVID, on a vu un grand impact sur l'inégalité et la pauvreté et le chômage ont augmenté. Et le résultat, ça a été une augmentation dans l'occupation des terres et une criminalisation des pauvres des villes. À Johannesburg et au Cap, il est estimé qu'à peu près 20% des personnes vivent dans des quartiers informels. Au regard de la réponse de l'État, on a notre constitution, reconnaît le droit à l'accès au logement et ça parle du droit à l'accès aux services de santé, à l'alimentation, à l'eau et à la sécurité sociale. C'est dans notre constitution. Depuis 2004, on a vu un grand changement de la politique sur le logement. Et le gouvernement a changé sa façon de voir le logement et a changé son approche. Ils ont changé le nom du logement à l'habitation humaine. Ils veulent améliorer la qualité du logement et créer des quartiers durables. Le gouvernement a financé des programmes et on a vu à peu près 5 millions de logements créés depuis 1994. Mais le problème, c'est leur situation. Ils se trouvent dans des villes dortoirs sur la périphérie urbaine et il y a peu de services. Le gouvernement a essayé d'améliorer la situation créée par la planification de l'ère de l'apartheid. Il a adopté un cadre qui s'appelle SPLUMA, qui cherche à créer une obligation pour l'État de régir sa propre terre. C'est une politique progressive qui essaie de répondre à des problèmes de justice spatiale et qui essaie aussi d'augmenter la résilience, l'efficacité. Donc ça, c'est du grand progrès dans les interventions du gouvernement. Donc, dans le programme de subventions gouvernementales, une solution de différentes boîtes a été créée sous l'hypothèse que les gens allaient bouger d'un logement informel à un logement formel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chemin linéaire vers le logement formel. Il y a de grands problèmes de sécurité et d'occupation, de l'accès aux services essentiels, à l'infrastructure de masse et la planification de l'usage de la terre. Même si il paraît qu'on peut suivre ce chemin, ce n'est pas accessible au plus bas,
à la plupart des Sud-Africains. Dernièrement, on a vu l'État reculer. L'État est plus réticent d'intervenir. Il y a eu un changement de la politique. Avant, le gouvernement donnait un logement gratuit. Mais ce n'a pas été durable économiquement et le gouvernement n'a pas pu continuer de fournir des logements qui suivent la demande. Et maintenant, l'accent est sur ce qu'on appelle l'emplacement et services. Ce n'est pas très clair. Comment est-ce que ces services vont être exécutés et s'il y aura du soutien afin de consolider ces services. Le gouvernement est réticent à intervenir dans des marchés fonciers d'exclusion. Ils font des interventions trop prudentes. Il y a eu une réduction dans les dépenses sur l'infrastructure et l'accent a été mis sur la conformité qui exclut des nouveaux entrepreneurs en construction. Le COVID a souligné le problème de la criminalisation des pauvres des villes. Et il ne reconnaît pas les quartiers informels ni le problème d'accès aux services sociaux. Donc, cette approche est fondée sur plusieurs éléments. On croit que les personnes doivent mener les interventions. Les coalitions et les partenariats sont très importants. Il faut qu'on échange nos leçons et dialoguer avec d'autres acteurs dans le secteur privé et public. Notre groupe facilite beaucoup de formations afin de créer du changement. On offre un soutien social et technique à nos partenaires pour leur aider à plaidoyer pour leurs droits. Et on encourage la création de recherches basées sur l'évidence. Donc, un exemple, DAG a créé un partenariat avec d'autres organisations où on a créé des modèles présentés au gouvernement pour des opportunités ou des modèles pour trois grandes parcelles de terre au Cap. On a identifié cette parcelle qui est à 10 km du centre-ville. Et on a montré comment est-ce que ça pourrait être développé pour créer du logement pour 600 familles. DAG a commencé à travailler sur les quartiers informels en 1986. Donc, je mets l'accent seulement sur un seul aspect, la campagne que les voix des femmes sont les plus importantes. On travaille avec 3000 quartiers informels en Afrique du Sud où les femmes récoltent des données sur les services. On analyse cette information et on écrit des rapports et on renforce les capacités afin de mettre la pression sur le gouvernement.
ces données sont un outil pour encourager le genre de développement qu'on cherche. Dans notre campagne, plus de 70% des participants sont des femmes. Elles surveillent les services et elles mènent l'interaction avec le gouvernement. Les femmes sont les usagers plus fréquents des services essentiels et elles sont les mieux placées afin de définir les problèmes et conseiller les solutions. L'un de ces problèmes, c'est l'assainissement. Et notre solution a été implémentée un processus d'approvisionnement par les autorités locales, par municipalité. L'assainissement a à voir avec la sécurité et les femmes sont les plus en danger. En Afrique du Sud, 74% des femmes ne se sentent pas en sécurité en utilisant les toilettes la nuit et 24% se sentent en danger pendant la journée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas de fermeture sur les portes ou il n'y a même pas de porte. Les toilettes sont concentrées sur la périphérie. On utilise l'approvisionnement comme outil pour améliorer la sécurité pour les femmes. L'approvisionnement d'infrastructures est important parce que ça peut protéger les femmes. La politique sur l'approvisionnement peut être inclusive et répond aux besoins des femmes. Il faut que les cahiers de charges aillent au-delà des dimensions techniques afin d'inclure la sécurité, l'emplacement, la santé, l'hygiène, l'invalidité et l'accès. Et finalement, je voulais parler un peu des locations accessibles. Les femmes sont... Il faut qu'on change le récit pour qu'on mette l'accent sur les femmes qui construisent des villes. Les femmes sont de plus en plus actives économiquement et elles sont de plus en plus présentes dans le secteur de l'entrepreneuriat en construction. Il y a une différence entre ce que les gens gagnent et ce que les maisons coûtent. Et il faut qu'on cherche des nouvelles idées créatives afin de résoudre cette crise de logement. C'est plus qu'une maison. Il faut qu'on crée des quartiers durables. On ne peut pas appliquer une approche universelle. Il faut qu'il y ait des réponses transversales. Donc, l'engagement communautaire significatif est clé et la participation citoyenne. La crise du logement est un problème mondial et on peut l'améliorer en partageant les leçons qu'on a apprises. On a un programme sur le logement d'arrière-cour. On fait de la recherche-action qui nous permet de faire des recommandations. Et on utilise les données qu'on a récoltées. Le renforcement des capacités est clé. Et les gouvernements municipaux ont une obligation de fournir des services essentiels pour des habitants dans les arrière-cours sur la terre privée. On a cherché une opinion juridique sur l'obligation de fournir ces services sur la terre privée. On sait qu'au Cap, il y a beaucoup de locations accessibles. Il y a plusieurs problèmes avec ce marché. Il n'y a pas de plan du bâtiment. Il y a des agrandissements de propriétés à l'intérieur des cours.
et des intrusions, des invasions. On offre du soutien aux entrepreneurs du bâtiment. On leur offre l'initiation, facilitation, exécution et renforcement des capacités. Je ne vais pas trop parler de ça, mais je vais juste dire qu'on a un exemple ici de quelques logements qui ont été construits dans cette initiative. Et je voulais souligner que le plus grand groupe d'entrepreneurs, de micro-entrepreneurs du bâtiment, ce sont des femmes qui voient les revenus de la location comme une stratégie très importante pour elles et leur économie familiale. Merci beaucoup. Thank you so much, Sister Crystal. We would like to listen to Sister Aletta now. Hi, good morning for those that have morning, like I do this at 7. Can you hear me okay? Yes. Okay. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc, voilà, je tiens à vous dire tout à toutes, bonjour ou bonsoir, Amelida Touré. J'ai dit cette phrase, dans ma langue autochtone. Moi, je viens des États-Unis, mais je tiens à faire un hommage à ma mère terre. Donc, voilà ce que ça veut dire, ce Dieu bénit l'Afrique. Donc, voilà, je tenais à commencer avec ces paroles. African diaspora and through informants causing possible criminalization. Avec les mouvements du logement et aussi avec l'Afrique, nous avons travaillé afin de renforcer la résilience. En fait, moi, je vais vous expliquer tout ça avec une présentation PowerPoint. Je vais vous l'envoyer aussi plus tard. Comme ça, vous pouvez la voir. Et moi, je tiens à vous parler des mouvements féministes des années 70 et 80. The Collective Courage, c'est un livre écrit par Jessica. En fait, ça parle d'un point de vue historique du mouvement féministe. Comment le mouvement féministe a été vraiment central et important dans notre pays. Donc, je tiens vraiment à vous recommander ces livres. Je les crée pour vous. Il y a un autre livre de Shirley Sherrod. C'est commencé au sud des États-Unis. Et en fait, ce livre, ça parle des droits, de comment les personnes avec des descendants de l'Afrique sont luttées pour leurs droits et comment ils ont pu accéder, avoir accès à hauteur. Ça fait vraiment, ça parle de l'histoire de tous ces mouvements féministes. Nous savons également des mouvements au Brésil et des mouvements au Cuba, des mouvements en Jamaïque, mouvement village au Kenya. Donc, en fait, c'est vraiment des mouvements où
nous nous inspirons pour pouvoir construire une nouvelle société, une société différente. Donc, en fait, moi, je tenais à donner une perspective sur les logements, une perspective racialisée et féministe, parce que nous, en tant que femmes, en fait, nous voulons faire comme les pays les plus avancés en matière de logement. Nous savons qu'il y a un besoin de personnes qui étaient expulsées parce qu'ils n'ont pas pu payer leur crédit immobilier dans les années 30. Parce qu'il y a eu des personnes blanches aussi qui ont été expulsées de leur logement. Mais pour tous ceux qui sont les personnes racialisées, il y a des mouvements qui, après l'esclavage, ont lutté pour leur droit au logement. Ils ont commencé à vivre en communauté et en 1938, le gouvernement fédéral a créé une association des propriétaires. Pour limiter l'accès du personne noire. Oui, pardon, vous me dites si je parle. Oui, vous parlez vous parlez rapidement. D'accord, bon, merci de m'avoir dit. Donc, il y a eu de campagnes de mesures et des actions, mais des personnes noires ont été toujours exclues de ce genre d'initiatives. Donc, aux années 1945 environ, c'est là où nous avons commencé à parler du féminisme. Dans les années 47, tout ce qu'on appelle a commencé à grandir. Toutes les personnes afro-américaines, après l'esclavage, n'ont pas pu avoir un vrai accès au logement. Mais les femmes, elles se sont réunies. Elles ont acheté ensemble des terres. Et comme ça, elles pouvaient se soutenir les uns aux autres. 1949, dans l'acte du logement, ont enlevé les favelas, donc le logement, voilà, ils ont rénové des logements et en 1948, ils ont défendu la construction des routes. Et en 1950, cette construction des routes était construite que là, à côté du logement des familles blanches. Mais c'était loin des familles autochtones et des familles noires. Donc, ils étaient isolés. En 1968, il y a eu une loi des droits civils qui n'a pas aidé à finir avec la discrimination. Can you please go slower also? Yes, sorry, for the interpreters. Thank you so much. My apologies. Sorry about that. Moi, je suis désolée, je parle rapidement. Donc, c'est dans les années talking about there for the Civil Rights Act. Comme quand je vous parlais de l'acte des droits civils,
regulation implementing affirmative further fair housing. And fair housing. Plus tard, il y a eu un acte sur les logements qui prévoyait que les logements étaient un bien public, un bien pour tous. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020, nous avons eu un acte qui a mis fin s'appelle préservation de communauté. Et cet acte prévoit plus de conditions pour les logements. Donc, en fait, l'idée était de modifier les définitions pour que cela soit un petit peu plus complexe. Archives, but also through the PBS group that I'm, well, the group that I'm a part of, the National Low Income. Moi, en fait, je fais partie d'un groupe, coalition de personnes qui luttent pour le droit au logement. Et en fait, nous luttons ensemble avec des autres mouvements pour comment les mouvements féministes veulent et doivent lutter pour les droits au logement. Donc, nous, où est-ce que nous sommes maintenant? Moi, je tiens vraiment à lancer un message urgent parce que maintenant, les Nations Unies ont publié un rapport qui établit que les problèmes du logement aux États-Unis est même pire qu'en Inde et dans d'autres pays. Parce qu'il manque de logement, il y a des personnes qui sont expulsées ou qui n'ont pas de logement. Ici, même si, voilà, nous avons des entreprises comme Google ou Facebook, des entreprises technologiques très puissantes, il y a des personnes qui voient leurs droits, leurs droits ne sont pas garantis, ils n'ont même pas de toilettes dans leur logement, ils n'ont pas d'accès à l'électricité ou à l'eau. Donc, nous, quand nous parlons d'une économie féministe, nous devons parler du logement, du droit au logement. Donc, en fait, moi, j'utilise les mots transition parce que nous sommes en train de transitionner. De transitionner dans un mouvement où nous luttons contre les changements climatiques. Nous luttons pour le féminisme. En fait, nous retournons. En fait, nous voyons maintenant la discrimination encore dans ce pays, la suprématie blanche. Donc, en fait, voilà, ce que nous pensons, c'est que nous devons construire un nouveau monde. Et pour nous, c'est difficile parce que les États-Unis se voient comme les premiers pays au monde. Et cependant, ils sont les premiers à discriminer. Et comment nous pouvons retourner aux façons de faire traditionnelle qui pense plus aux communautés, qui pense plus à l'ensemble. Donc voilà, nous nous inspirons de nos valeurs sœurs pour construire ces sociétés plus justes, plus féministes. I should say. And then the Nguzu Saba principles
that we use, which is reviving that. We call the Fannie and Ella Blake Baker Hours in the Free the Land movement of the... En fait, nous suivons les mouvements Free Land. Nous avons beaucoup d'écrivaines, de femmes dont nous nous inspirons. Some are unfortunately only talking about a check, right? Because that's a middle class notion of having a repayment through money, where we are like the indigenous. Ici en Californie, il y a un réseau qui s'appelle Libérer les terrains. Et en fait, il y a des personnes qui ont migré, qui sont parties vers le sud, dont ils sont originaires. Donc en fait, nous trouvons ce mouvement de rémigration, donc de personnes qui retournent d'où ils viennent, souvent vers le sud. Donc, en fait, maintenant, nous concentrons sur les médias. Donc, nous pensons que les réseaux sociaux et les médias sont clés. Et en fait, voilà, je pense que nous devons villages and areas in South America, we need to be anonymous to meet in spaces, and that is something hard with social media, which is very relevant in our economy here in the States. So the ideas that de travailler ensemble, lever notre voix. Voilà, donc utiliser les réseaux sociaux. Our debates together, if it's the Black radical tradition, if it's our international immigrants, is something we are building to have that platform again. Donc en fait, voilà, nous sommes en train de travailler pour avoir une plateforme pour communiquer entre nous, pour faire un débat, pour faire des actions ensemble. From Rosewood, which is in Florida, or il y a par exemple des endroits en Floride où il y a des maisons qui ont été brûlées. Malheureusement, des actions comme ça ont lieu, des maisons qui sont brûlées, des personnes qui sont expulsées. Donc, en fait, nous avons besoin de travailler avec des associations, des ONG pour construire un nouveau monde avec une vision plus démocratique, une façon de fonctionner plus démocratique, des mouvements, une assemblée, des prises de décision communes et aussi de mettre sur les centres des problématiques qui ne sont pas souvent vues. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et en fait, voilà, nous ne pouvons pas oublier que l'esclavage, les traits de l'esclavage sont toujours là.
life, right, that try to sell their... Simple dans ma ville, à Maureen. Il y a des personnes qui ont été expulsées parce qu'ils dans leur paiement de crédit. Not just the federal changes or the state structure, but we are looking at the local city council structures and the communities run by the city and neighborhood associations, which again leaves us dependent on so much of the structures that have not safely secured us. When in Iron Triangle, where I live, in certain areas that are unincorporated, those are the highest numbers of displacement and the highest numbers of those incarcerated. But maybe in thinking of the Sim Cities, expanding our thought, Sim Cities is a technological way, since we mentioned the tech world, through the Black radical tradition, through this new crave of Wakanda, as most people would say, which is again through the screen, not really planning into urban studies and planning together. We see that the local streets, instead of using city funding or money or foundations, we see... Donc, est-ce que nous voyons ce que, au lieu d'utiliser du financement public, donc, en fait, les associations, les voisins, les citoyens doivent apprendre à gérer des coopératives et à créer des coopératives pour travailler d'une autre façon et ne pas chercher toujours du financement public. Et nous devons... Nous devons parler aux personnes noires pour qu'elles sachent lutter pour leurs droits. Donc, en fait, ces associations, elles peuvent être gérées par des processus démocratiques, par l'économie féministe. Nous, en tant que femmes, moi, je suis mère célibataire ici. Moi, je dois travailler, je dois prendre soin, je dois gérer une organisation. Mais c'est ce que nous font les femmes, prendre soin. Voilà, donc tous ces soins qui ne sont pas payés, il faut tenir en compte toutes ces idées. Et comment faire que l'État utilise les mouvements citoyens, les forums sociaux des États-Unis. Et les mouvements pour récupérer la terre. Il faut continuer de travailler ensemble. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas avoir amené une présentation du PowerPoint. Moi, je pense qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, lutter contre les commercialisations. Nous, en tant que femmes, nous devons travailler ensemble. Nous devons créer des dynamiques d'une autre façon de travailler, plus démocratie, faire confiance au mouvement social. Aussi, faire pression. Donc voilà, donc nous devons vraiment construire cette confiance. Et
And Roberto Mendoza. Nous devons également, voilà, penser ce que nous voulons en tant que mouvement et travailler ensemble, ne pas lutter les uns contre les autres. Il faut vraiment faire une analyse de ce qui est en train de se passer par rapport au logement. Et nous, nous devons utiliser leur terminologie parce que parfois, ils kidnappent les mots. Donc, il faut travailler les cadres de pensée. Ils nous disent que nous sommes nécessaires. And so we are fighting that to bring that education. But building outside. Sorry, thank you so much. This is really inspiring, but we're really running out of time. Thank you so much. Je suis vraiment désolée parce que nous n'avons plus du temps, donc. Il va parler. Donc, s'il vous plaît, voilà, vous pouvez prendre. Allez. Ben Bahar, Mekanda Dert Derneği'nde kentsel politikalar programı sorumlusu olarak çalışıyorum. Mekanda Dert Derneği aslında çok basitçe kentsel ve kırsal mekan. Je vais parler de... Je viens de, du Centre de Justice Spatiale. On cherche... On essaie de partager de l'information publique afin d'apporter des solutions à la crise du logement. Ça, c'est l'un des aspects que je vais, dont je vais parler aujourd'hui. Je vais essayer d'expliquer la crise du logement en Turquie et comment est-ce que les implications pour le contexte mondial. Le logement est un droit humain fondamental inclus dans la Constitution turque. Et il faut qu'on voit comment il n'y a pas de détails sur l'exécution de ce droit. Cette ambiguïté exime l'État de ses responsabilités et met le problème sur, au niveau individuel. Et donc, le logement est vu comme un problème individuel au niveau de la société. Donc, même si le logement est un droit humain, c'est devenu une sorte de privilège qui a été financiarisé. Donc, d'abord, je vais vous donner un peu d'informations sur le contexte du logement en Turquie. Dans les derniers 20 ans, il y a eu plusieurs changements dans la politique turque sur le développement. Le gouvernement AFP a fait en sorte que l'économie dépende de la construction et le développement urbain. En 1999, il y a eu un grand tremblement de terre à Marmara. Beaucoup de personnes sont mortes et beaucoup de bâtiments ont été détruits. Depuis, le risque des tremblements de terre, on a mis l'accent sur un logement qui résiste les tremblements de terre. Le gouvernement a dit que beaucoup de logements n'étaient pas sûrs. L'autorité centrale a été renforcée et les pouvoirs des autorités locales ont été réduits. Après la loi de la réduction de désastres, a déterminé les zones de risque où on devait mettre en place des projets de transformation urbaine. Après, le gouvernement, AFP, a encore gagné les élections. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour des très grands projets comme des aéroports. Tous ces projets ont eu un impact négatif sur les quartiers pauvres et beaucoup de quartiers ont été évacués à cause de ces projets. Les projets étaient une excuse.
Donc, on peut voir la crise du logement sous deux catégories. La crise de la délocation et la transformation urbaine. Au début de l'année 2000, il y a un projet de renouvellement urbain qui cherchait à renouveler les quartiers centraux des villes historiques et d'expulser les pauvres des centres-villes. Les quartiers ont été évacués comme résultat de ces projets de réhabilitation et les personnes étaient envoyées à des zones de logement social loin des centres-villes. Il n'y avait pas de service pour les locataires. Seulement les propriétaires ont été identifiés comme des bénéficiaires. Ces projets n'ont pas pris en compte les besoins, les styles de vie et les conditions de vie des habitants. Il y avait beaucoup de coûts liés à ces logements. Beaucoup de ces personnes ont dû retourner à leur village natal où ils ont dû vendre leur maison. Plusieurs quartiers, ils ont continué à lutter contre ces projets d'une façon organisée. Juste après la pandémie, le logement de location a été une priorité. Il y a eu une grande hausse des loyers et ça a créé des grands problèmes avec l'accès au logement. Ça a créé beaucoup de problèmes pour les groupes défavorisés. Et des lois introduites par le gouvernement l'année dernière à limiter les augmentations de loyers à 20%, mais ça a été ignoré par beaucoup de propriétaires. Les locataires n'ont pas pu, ils ont été mis sous pression par les propriétaires de laisser les logements. Comment est-ce que les femmes et les personnes LGBTI expérimentent ce problème de logement? Par exemple, être une femme plus vieille, plus âgée, ou être une femme réfugiée, ce sont des identités qui expérimentent ces problèmes. L'accès au logement, et donc pour parler de l'accès au logement comme droit social. Des réfugiés et des expérimentent beaucoup de pauvreté urbaine. Par exemple, la cuisine est juste à côté des toilettes. On vit dans des sous-sols. Ils sont obligés à vivre dans des endroits comme ça. Et donc, ils souffrent des maladies respiratoires, comme par exemple l'asthme, qui le rend plus vulnérable. Il y a aussi le problème des soins domestiques, des soins des personnes âgées, des enfants. Toutes ces tâches sont la responsabilité des femmes, et ça les désavantage encore plus. Par exemple, quand il y a une fuite dans le plafond, c'est la femme qui doit nettoyer, qui doit chauffer le logement, qui doit calculer le coût du charbon, qui doit calculer combien de sacs elle doit acheter. Elle ne peut pas chercher, elle ne peut pas se divorcer de son mari. Ou bien elle est obligée de vivre juste à côté de leur famille. Donc, elles sont en danger de violence et de répression. Des femmes seules aussi se sentent très vulnérables dans les villes à cause des hausses dans les loyers. Les coûts de l'éducation, le logement sont très hauts. Elles sont obligées de changer leur style de vie et même de changer de ville. Elles doivent laisser leur environnement social. Et au regard
des femmes LGBTI. Elles sont confrontées à une discrimination pendant la recherche de logement. La crise de location à Istanbul crée beaucoup de problèmes. Il y a des hausses de loyers arbitraires pour ces groupes qui sont mis sous pression de quitter leur maison. Donc, c'est un mécanisme de discrimination et d'exclusion. Parfois, c'est difficile pour les étudiants de louer une maison. Louer une maison, c'est une façon pour les étudiantes d'avoir une liberté. Elles doivent cacher leur identité comme LGBTI. Il y a aussi les résidences universitaires. C'est difficile pour les étudiantes. Et par exemple, elles sont données, leur chambre sont. Il peut y avoir de la discrimination homophobe dans les résidences. Les chambres sont très petites. Et parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes dans une seule chambre, les toilettes sont en dehors des chambres. Donc, il y a aussi un problème d'intimité. C'est interdit que les étudiantes ferment leur chambre à clé et le personnel peut rentrer à n'importe quel moment pour chercher les chambres. Si on regarde les qualités spatiales et les attitudes du personnel, tout ça, ça crée des conditions pas sûres pour des étudiantes LGBTI. C'est une violation des droits humains. À Istanbul, il y a des projets de transformation urbaine qui ciblent des quartiers pauvres. Pour les femmes, c'est encore pire. Le quartier fonctionne comme une résidence de cohabitation. Les relations, la solidarité, la communauté facilitent la vie des femmes. Par exemple, elles peuvent prendre soin de leurs enfants, des enfants de l'une de l'autre. Et pour les femmes âgées, la vie en communauté leur fait sentir partir de quelque chose. Elles savent qu'elles vont recevoir un soutien financier et moral. Donc, ça fait que la vie en communauté est très spéciale pour elles. L'un des plus grands problèmes de ces projets de transformation urbaine, c'est que ça détruit cet esprit de communauté. Beaucoup de femmes pensent que vivre dans un appartement, c'est comme être en prison. Ces femmes âgées, quand elles déménagent à un appartement, comme pendant ces projets de transformation, elles expérimentent des problèmes mentaux, comme la dépression. Le logement est une façon de gagner des revenus pour les gens plus privilégiés, mais ça crée des injustices pour des groupes plus pauvres et d'autres secteurs de la société. L'accès au logement, c'est un problème en soi. Et ça augmente aussi les problèmes sociaux. La seule solution offerte par l'État, c'est de créer plus de logements sociaux. C'est d'empirer le problème du logement social. Le gouvernement a introduit des prêts avec un taux d'intérêt très bas. Parce que finalement, les femmes, c'est un problème parce que la famille doivent prêter de l'argent et les femmes peuvent bénéficier de cette initiative seulement quand leurs maris sont morts. Chez l'Association de justice spatiale,
on fait de la recherche et on observe sur le terrain. On va voir comment ça se passe sur le terrain. On a fait des recherches, on a écrit un rapport. On voulait parler de comment ces projets affectent les femmes dans les villes. Et on a aussi essayé de faire des recommandations de qualité. Dans une autre étude qu'on a faite à Istanbul, on a essayé d'analyser les critères de logement habitable et les annonces de logement qu'on a vues. Seulement 2% des logements à Istanbul annoncés sont aptes à l'habitation. Cette recherche montre que le logement en Turquie ne souvient pas aux besoins des personnes. Et l'accessibilité, l'abordabilité, c'est l'un des plus grands problèmes pour le logement. La pratique de la construction de logements nous éloigne de notre but de créer un logement accessible. Ça ne peut pas être normalisé. Il faut que on ne peut pas normaliser le choix du logement selon nos possibilités. Et il faut que il faut que tout le monde soit au même niveau au niveau de l'accès au logement. Merci à toutes. Bravo, you were on time. Now we're going to listen to Sister Isadora. Are you ready? Hola. She's going to be speaking in Spanish, right? Sí. Oui, elle va parler en espagnol, donc il y aura la traduction. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je suis Isadora. Je pense que certains d'entre vous me connaissent. Parfois, je suis interprète. Donc, je suis heureuse de pouvoir être ici et raconter mon expérience ici à la ville de Manresa. Donc, en fait, je vais répondre aux trois questions. Donc, comment la crise du logement a pris forme ici en Catalogne, dans mon cas? Une des causes principales, bien sûr, c'est le capitalisme. Et ce qui s'est passé en Espagne, qu'il y a peu de propriétaires, peu de familles qui ont la propriété de la plupart des logements. Et certains de ces logements, en fait, ils sont vides. Comme ça, eux, ils vont faire que la demande augmente et peu d'offres, des offres avec des prix très, très élevés, donc loin du pouvoir d'achat de beaucoup de familles. Donc, moi, j'ai lu aujourd'hui que dans l'année 2022, les prix de loyer ont énormément augmenté, par exemple, qu'à Barcelone, plus de 25%. Il y a des salaires qui n'ont pas augmenté depuis 2010. Donc, nous, en Espagne, l'économie est basée sur les troisième secteurs, donc le tourisme, la construction. Donc, nous avons vécu un phénomène, donc, avec l'éclatement de la boule immobilière dans l'année 2018. En fait, beaucoup de familles n'ont pas pu faire face au paiement de leur crédit. Donc, qu'est-ce que l'État a fait? Bah, tout était aux mains de la banque. Donc, en fait, les banques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont expulsé les personnes de leur logement. Ils ont gardé les logements. Mais les familles continuent à être endettées, comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, tu perds ta maison, mais tu continues à avoir une dette.
Il y a aussi des fonds boteurs comme les Blackstone, et c'est eux le nouveau propriétaire de ces logements, des personnes qui ont été expulsées parce qu'ils n'ont pas pu faire face au paiement de leur crédit. Ici, dans mon quartier, il y a une maison vide et en fait, les voisins, ils ont eu peur de que la maison soit occupée. Donc, en fait, les voisins sont allés la fermer parce qu'ils préfèrent que la maison soit vide à qu'elle soit occupée. Donc, c'est vrai que nous avons besoin de sensibiliser les citoyens pour qu'ils soient conscients de la problématique de l'accès au logement. Et c'est vrai que parfois, on peut compter sur l'État ou pas. Ici, en Espagne, quand les partis populaires, qui est un parti de droite, étaient au gouvernement, un parti très, très corrompu, en fait, ils ont vendu plus de 3 000 logements sociaux à ces fonds voteurs qu'à leur tour, ils vont le vendre. Donc, en fait, les gens n'ont même pas accès aux logements sociaux, aux logements publics, à cause de la corruption et cette structure pyramidale. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte de la crise du logement. Donc, tous les prix ont augmenté. Les travails sont précaires. Et il y a peu de travail digne et avec un salaire digne. Donc, ça, c'est le contexte. Donc, comment ça joue? Pourquoi ça joue cette crise immobilière sur les femmes? Donc, certains de mes collègues l'ont déjà dit parce que, voilà, normalement, les femmes nous sont beaucoup plus en charge de soins. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile d'abandonner, de partir. Nous sommes plus responsables. Donc, les groupes de personnes qui sont un petit peu plus exposés à cette crise du logement et qui sont et qui vivent les plus de l'expulsion de leur logement sont les familles, ce qu'on appelle monomarentales, donc des mères seules avec leurs enfants. Donc, ces mères isolées n'ont pas d'opportunité du travail digne. Il y a 53% de chômage pour les mères célibataires et 67% survit, pas vie, hein, survit avec moins de 600 euros par mois. Si on tient en compte qu'un loyer dans un quartier populaire est au minimum, coûte au minimum 800 euros. Donc, si tu gagnes 600 euros, un logement coûte 800 euros, bah, tu ne peux pas. Mais même si tu gagnes 1000 euros, pareil, tu vas avoir vraiment des difficultés pour trouver un logement. Une autre problématique, c'est même si tu as un travail plus ou moins digne, qu'est-ce qu'on fait avec la conciliation? Parce qu'il y a peu d'aide de l'État afin d'aider avec la conciliation du travail et vie personnelle. Il y a des femmes qui se sont organisées, des femmes racialisées, des femmes migrantes, qui sont les premières à vivre quand on les retire les gardes, parce que ce sont des femmes qui vivent une expulsion. Et en plus, on les retire la garde de leur enfant. Les plus vulnérables sont les premières victimes. Et entre elles, elles s'organisent et elles sont en train de dénoncer cet enlèvement des gardes d'enfants qui sont vraiment injustifiés et qui, voilà, qui sont dus à leur origine et à la précarité. Mais même, voilà, si tu as un travail, tu dois avoir à peu près 3 000 euros d'économie pour pouvoir payer la caution, les dépôts. Donc, qui a aujourd'hui 3 000 euros d'économie? Peu de gens, parce que les travails sont précaires. Donc, tu ne peux même pas essayer d'avoir accès à un logement.
Donc, je pense que ce sont des traits communs, hein, mes collègues, vous l'avez déjà mentionné, avec les particularités de leur pays. Mais moi, je tenais également à vous parler de résistance. C'était le troisième point. Parce qu'ici, en Espagne, au Catalogne, nous avons eu un mouvement d'occupation. Tout d'abord, on écrivait « occupation » avec les mots « cas », donc « personne qui nous faisons face au manque de logement, nous occupons des espaces, pas juste pour avoir un toit, mais pour construire des nouvelles façons de vivre ensemble, d'avoir des liens entre nous, de nous comprendre les uns aux autres. Donc, je pense que ces mouvements d'occupation viennent de loin. Par exemple, fonder des centres sociaux ou des centres culturels pour offrir des activités ou même faire de l'aide juridique ou centres culturels, de lieux de rencontres pour réfléchir, pour penser ensemble. Mais même si c'est un mouvement citoyen, il y a un mouvement très fort qui s'appelle l'APA, qui est la plateforme de victimes du crédit hypothécaire du capitalisme. Et ça, c'est très, très intéressant, cette plateforme, ce mouvement, parce que cette plateforme, elle a été fondée après les 15M, les Sandiniers, en Espagne, des mouvements que je pense que vous connaissez. Ils ont pris les places partout en Espagne. Cette plateforme a été fondée partout en Espagne. Même la maire de Barcelone, Ada Colau, elle venait de cette plateforme, de la PA. Cette plateforme ici, à ma ville, elles sont occupées 8 bâtiments où il y a 200 familles qui vivent, la plupart d'origine migrant, la plupart du nord de l'Afrique. Et en fait, ils se sont organisés pour au moins que les personnes qui arrivent, ils ont un toit, un logement. Et cette plateforme compte avec les soutiens des citoyens. En fait, ils parlent directement avec la mairie, avec des institutions. Et en fait, ils ont même réussi à que certains bâtiments deviennent de loyers sociaux, des loyers à 200 euros, que voilà, un groupe de deux adultes, ils peuvent peut-être faire face à ce prix un peu plus social. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'ils travaillent avec de différents collectifs, une structure populaire. Ils luttent pour les droits au logement, mais ils vont également offrir, entre guillemets, d'autres services qu'ils veulent offrir l'État. Par exemple, un collectif qui s'appelle Soror, qui est sur des cours de espagnol et catalan. Et c'est un espace non mixte. Et voilà, avec des femmes, par exemple, marocaines. Et voilà, ils partagent leur peur. Par exemple, leur peur d'être en train d'occuper un logement. Qu'est-ce qui va se passer si la police vient? Et voilà, donc là, elles peuvent discuter. Il y a un autre collectif qui s'appelle Alcoa, qui travaille avec des jeunes. Ils sont des ateliers, des charpenteries, entre autres. Donc, il y a la PAC, la plateforme des victimes du crédit hypothécaire. Et autour, il y a tous ces collectifs, toutes ces associations qui vont créer ces sentiments de communauté, ces sentiments d'empowerment, voilà, ces sentiments de lutte, de réclamer, lutter pour les droits. Il y a aussi une aide
juridique parce que la plupart de familles qui occupent ces logements, qui vivent dans ces logements occupés, n'ont pas de papier. Donc voilà, ils vont compter sur cette aide juridique. Et voilà, bah, c'était tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci, Isadora. Merci beaucoup, Isadora. Très inspirante et aussi très intéressante pour nous. C'est intéressant de voir comment nos contextes sont différents et comment nous faisons face aux problèmes. Des choses en commun. Nous avons quelques questions déjà sur les chats. Moi, j'ai déjà traduit une des questions. Je voudrais commencer donc, par demander aux participants, voilà, à nos présentatrices, si vous voulez tout le monde peut participer, répondre à ces questions. Comment est-ce qu'on peut exemple, développer une des réclamations sur les féministes chats, internationales qui tiennent en compte nous les problèmes de la crise du logement? Un lien entre les droits des femmes à travailler, qui abordent à la le logement santé, décent, mais est-ce qu'ils ont pris en considération les besoins spéciaux des femmes? En reconnaissant aussi ce sont les syndicats les liens qui ont entre la abordé le sujet locale des logements et international et les travail à long le terme. Logement. Ce sont les syndicats qui ont abordé le sujet des Nous logements pour les ouvriers comme catégorie démunie. Ici, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part de travailler avec les syndicats? Est-ce que quelqu'un Qu'est-ce voudrait qu'on pouvait faire d'autre? Répondre? Oui, pardon, je vais vous laisser répondre à la première question. S'il y a l'un d'entre vous qui veut répondre. Je voulais mentionner, on fait partie de la coalition de Nouvelle Économie qui fournit celles qui travaillent sur le logement, mais aussi la nouvelle économie. En fait, une des choses que nous travaillons dans notre groupe, c'est l'aide juridique. On est en train de se converger partie pendant le COVID. Parfois, elles sont parties à des pays la terre parce que c'est très cher aux États-Unis. Ou bien elles sont pour retourner à la terre de leurs grands-parents. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se converge dans une économie et des communautés intentionnelles et on crée une liste de points communs où on va se réunir sur l'une de ces parcelles de terre chaque année. Et comme ça, on va aider avec le logement, les jardins, les enfants. On va faire ça de façon circulaire parce qu'on est très divisé les frontières des États. Ce sont 50 États. Donc, on va unir 200-300 personnes pour aider, même si c'est juste pour les aider à construire leur site web. Je crois que c'est une solution où on va au-delà des appels sur Zoom. On se réunit afin de créer de l'infrastructure, du logement, de souvenir à nos besoins en tant que communauté. Et c'est ça qu'on est en train de faire dans le diaspora africain, c'est de se réunir tous une fois chaque année. Sé que aquí también, sobre todo en Cataluña, se están creando cooperativas de vivienda, que significa que grupos de gente, sobre todo lo que hacen, intentar comprar. Sí, en Cataluña, en fait, il y a des coopératives de gens qui essayent de acheter
de terres ensemble ou à la mairie, une mairie de gauche, mais même il faut avoir un capital pour pouvoir acheter un logement. Donc c'est vrai que cette les coopératives de logement est vraiment très intéressante, mais voilà, il faut avoir un fonds, il faut avoir des fonds pour pouvoir acheter ces logements. Donc je suis d'accord avec Isidora, même si aux États-Unis, les gens dans la région du Bay, les studios, à un moment donné, ça coûtait $800. Maintenant, ça a augmenté à $5,000, peut-être $4,000. Pour ce même logement. Et comme Isidore a dit, comment est-ce qu'on pourrait acheter de la terre? Ça devrait être moins cher et ça devient de plus en plus difficile. Donc, au lieu de la façon d'obtenir du financement, on est en train de soutenir des organisations de base. On est en train de soutenir Grassroots International. On est 37 personnes sur cet appel et si on vous appelle et on vous demande $100 chacun, ça c'est une approche d'engagement donateur. Donc on s'éloigne des besoins de l'organisation qui nous finance et on travaille entre nous. Donc ça c'est une façon dans laquelle on est en train de sortir de ce système. En regardant qui est dans notre écosystème et comment est-ce qu'on peut lever des fonds de cette façon. J'aimerais juste ajouter une perspective un peu différente. Même si je crois que les organisations de base sont très importantes pour construire cette vie en communauté et d'action sur le terrain, dans beaucoup de cas, de chercher des politiques plus justes et inclusives dans nos pays, je crois que c'est très important. On parle d'un logement public, social, on parle du démantèlement, on parle de la consommation de la terre privée en soi. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos participantes. Toutes celles qui sont ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez sur les politiques de l'État au sujet du logement? Pienso que no son suficientes, pero porque el Estado, por lo general, aunque sea socialista en su. Je pense que ce n'est pas. C'est parce que même si les gouvernements entre guillemets est siècle, parce que son nom, il est capitaliste, parce que voilà, ils disent oui, 30% des logements doivent être des logements sociaux. Mais en fait, il n'y a pas de grandes entreprises qui vont vouloir construire des logements et dire oui, bah ici, il va y avoir 30% des familles migrantes. Non, il faut aller plus loin, en fait, il faut changer les mentalités. Oui, Bahar, vous savez. Je voulais juste donner un exemple. Est-ce que vous m'entendez? Je voulais juste vous donner un exemple. Pour connaître les politiques et de les transformer. En 1999, à Dujshan, le tremblement de terre, si vous êtes locataire, vous étiez entre les gens qui sont restés sans abri.
Et selon la loi turque, on a établi des coopératives de logement et les gens affectés par le tremblement de terre étaient en désavantage. Pour eux, l'État devrait fournir un logement. Ces gens ont demandé la terre de l'État afin de construire leur propre logement. Ils ont lutté pendant 16 ans afin d'obtenir cette terre. Et c'était un service à fournir par l'État. Et vu que l'État n'a pas fourni ce logement social, ils auraient dû donner de la terre. Avec un processus participatoire, ces gens ont récolté des contributions des volontaires et ils ont acheté une terre pour construire un logement. Ces gens avaient l'occasion de construire leur propre logement. Ils n'ont pas pris l'option de louer un autre logement. Ils ont voulu construire leur propre logement en tant que propriétaire. Et après une longue lutte, ils ont pu faire ça. Et ces exemples peuvent nous bénéficier à tous. Et ça peut beaucoup nous aider, cet exemple. Thank you. Alita? Yeah, so I'm showing here for our state, we especially during COVID, we have 60 different places we went within the state capital. Dans mon état, on a 60 endroits différents. On a 58 communes, on a pris des sans-abri et des groupes avec peu de revenus. On les a inclus dans des appels Zoom avec le gouvernement de l'État. On a enregistré toutes les personnes qui sont venues et on leur a demandé leur avis. Mais moi, comme Isidora, je crois que ce n'est pas suffisant. Toutes les lois où on a gagné, si c'est du logement social ou n'importe les actions qu'on a fait pendant les derniers 3 ans pour Housing Now, c'est notre organisation. Mais malheureusement, on doit se souvenir que donner de l'information à l'État, c'est important afin de leur éduquer et changer la législation. Mais quand on utilise cette stratégie, nos propres processus de pensée avec la communauté est très important parce que même si on a inclus ces gens dans des appels, il y a jusqu'à 60 bureaux différents. Ça n'a pas permis de changer le système. Et il faut que nous, on prenne le contrôle de ce récit. Martin Luther King n'est pas allé voir le président à demander « qu'est-ce que vous allez faire pour nous ?» Il a dit « nous, on a des exigences, on sait ce qu'on veut. » Il est retourné après notre lutte et après d'avoir pris les exigences des gens sur le terrain, il est retourné voir le président et le président a vu le pouvoir du peuple et il a dit « on va vous donner ce que vous voulez ». Donc on ne peut pas continuer à demander. Si on ne s'organise d'abord sur le terrain. Et l'éducation politique, c'est très important. Les gens doivent savoir pourquoi les économies féministes sont importantes avant. Et il faut que ce soit eux qui parlent. Parce que les porte-paroles aux agences étatiques ne vont pas le faire. Il faut que ça vienne
de la passion de, du peuple. Thank you so much. I would like to ask the question again. En fait, je voudrais poser une autre question. Quelle politique pensez-vous qui sont nécessaires pour que nous avons un accès digne au logement? Voilà, quelle politique pensez-vous qui sont nécessaires? Peut-être que c'est un petit peu difficile de réfléchir. Nous pouvons répondre au prochain séminaire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut poser une question ou un commentaire. Je pense qu'on va vous offrir aux participantes. Nous sommes vraiment contentes d'avoir commencé cette série de webinaires. Voilà, j'espère qu'on se verra les mois prochains ou les prochains webinaires. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je voulais juste vous dire que nous avons une autre webinaire. Au mois de février, nous en avons deux. Donc, on fait un mois de février, un mois de mars. On va vous envoyer tous les détails. Je pense que il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, si c'est possible. Bonsoir. Bon, j'arrive que vers la fin de ce webinaire. J'étais à une manifestation à Genève pour la solidarité avec les peuples d'Iran et je ne pouvais pas participer, mais donc plus vite. Mais j'aurais voulu, comme ça, dans les divers, poser la question importante par rapport à la solidarité avec Pinar Selek. Pinar Selek, vous la connaissez, j'imagine. Elle est turque, elle a la double nationalité française. Maria, la... I'm sorry, there is sorry, no... we didn't receive English interpretation. Sorry, Marianne, can you repeat? Alors, oui, pardon. Alors, je voulais dans, comme point apporter la question de la solidarité que la marche mondiale des femmes apportent avec Pinar Selek. Pinar Selek est une féministe turque qui a la double nationalité française parce qu'elle a dû s'exiler il y a 25 ans. Elle a été faussement accusée d'être liée à un attentat. Ce n'était pas un attentat, c'était un accident, mais l'État turc l'a accusée, elle a fait de la prison. Elle a été trois fois acquittée. Il y a eu déjà trois procès qui l'ont acquittée. Mais en juin de l'année passée, la Cour suprême de la Turquie a levé le dernier jugement et l'a condamnée à la prison à perpétuité. Il y a une campagne internationale qui démarre maintenant de manière forte parce que la Cour suprême n'a donné officiellement cette décision que depuis le 6 janvier de cette année. On avait appris par les médias, mais les avocats n'avaient pas été informés officiellement. Mais depuis le 6 janvier, l'information est tombée officiellement. Et ce procès aura lieu à Istanbul le 31 mars. Et bien sûr, Pinar Selek ne pourra pas participer parce que si elle vient en Turquie, elle sera immédiatement arrêtée. Il y a un mandat d'arrêt contre elle, international, avec une demande d'emprisonnement immédiat.
Et donc, Pinar Select doit être protégée, mais aussi, il faut que ce procès puisse pas avoir lieu sans qu'il y ait une très forte mobilisation et une visibilité. C'est la seule chance. Parce que, comme c'est la Cour suprême, on ne peut pas vraiment avoir un autre jugement que celui de cette Cour suprême qui a donc annulé un précédent jugement qu'elle avait donné. Mais entre-temps, les juges ont changé. Et donc, ce nouveau jugement, il peut seulement ne pas être exécuté s'il y a vraiment une très forte mobilisation internationale. Et donc, pour le 31 mars, on cherche, moi je fais partie de cette campagne, on cherche à former une délégation la plus représentative et forte possible pour assister au procès, pour que ça ne puisse pas se passer dans une sorte de silence qui signifierait aussi une sorte de feu vert aussi par rapport au loup gris hein, qui existe partout et qui existe en France. Et Pinar Select ne peut être protégé en fait que par le fait qu'il y a une visibilité, une grande solidarité. Et donc, je pense que la marche mondiale doit faire vraiment le plus possible. La marche mondiale française a déjà mis sur son site, et en Suisse, on va aussi mettre sur le site la lettre qu'elle nous a écrite et le communiqué du collectif. Mais je pense que ce serait important que dans tous les pays, si vous avez un site, vous faites la publication pour exprimer votre solidarité. Et puis, si Yildiz ou d'autres peuvent assister au procès le 31 mars, ça serait vraiment très important. Et si c'est possible, pour celles qui peuvent assister à ce procès, ça serait important de nous le faire savoir pour qu'on puisse organiser la délégation de la manière la plus coordonnée possible. Alors, voilà ce que je voulais vous demander. Je pense que c'est vraiment très, très important. C'est Pinar Select qui est une militante féministe très engagée. C'est elle qui a été une des grandes organisatrices de la dernière manifestation Tout aux frontières qui a eu lieu le 5 juin 2021, mais elle a fait beaucoup d'autres choses. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Yildiz? Thank you, Marianne. We will stay in touch. Merci, merci, Maria. Nous restons en contact pour voir comment on peut faire le mieux. Donc, nous restons en contact plus tard pour en discuter et pour mettre en place cette campagne de solidarité. Merci, merci de nous en avoir parlé. Merci, merci à toutes. Merci, Marianne. Et nous nous voyons.